Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la leçon numéro 21. Et dans la leçon numéro 21, on va apprendre les qualités personnelles. Donc, la leçon numéro 19, c'était sur les défauts. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est intéressant. La leçon d'aujourd'hui, c'est sur les qualités. Donc, j'ai préparé une liste de 10 mots comme d'habitude. Et le premier mot de cette liste, c'est intelligent. Et intelligent, en darija marocain, c'est dki. 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 Ok, généreux, c'est Karim, Karim, Karim. D'ailleurs, le prénom Karim, ça signifie généreux. Ok, Karim. Ok, gentil, c'est Draïf, Draïf, Draïf. Ok, honnête, Sadak, Sadak, Sadak. Poli, c'est M'eddeb, M'eddeb, M'eddeb. Fidèle, c'est Wafi. Wafi, Wafi, ok. Drôle, c'est Dahoki, 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 ok. Le H apostrophe, je la prononce Ha. Beau, c'est Zwin, Zwin, ou parfois Rzel. Cultivé, c'est Mtakaf, 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 ok. Calme, c'est Hada, Hada. Ok, donc ça c'est le masculin et donc la règle c'est pour le féminin on va ajouter le a à la fin du mot donc qui ça devient kia, Karim, Karima, Drif, Drifa, ainsi de suite. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et de me laisser en commentaire des propositions pour les prochaines leçons et sujets. Au revoir.